Paris de Fugère, oui. Président de l'entente Bergamasque de Liège, dont le siège social se trouve rue Bourgeois 41 Casanestra. Nous avons 42 ans d'association. Nous représentons le Bergamasque de Liège, comme le nom le dit. Nous avons actuellement 250 membres, de la première, de la deuxième, de la troisième, même la quatrième génération. Donc, nous sommes une association sans but lucratif, destinée surtout au récréatif, le social et le culturel. Nous effectuons aussi des excursions de voyage, deux soirées par an, plus des excursions avec barbecue, tout ça sur l'année. Donc, le social, nous occupons, comme on peut, des personnes âgées qui ont difficile de se déplacer, bien souvent, via les consulats, surtout maintenant que le consulat de Liège a disparu. Le social se limite non seulement à cela, mais aussi, quand on le peut, de participation à certaines... Ils ont facilité pour nos pensionnés. Alors, nous avons une grave difficulté que je crois dans beaucoup d'associations, c'est-à-dire que nous ne parvenons pas à intégrer les jeunes de la quatrième génération. C'est très difficile de les intégrer. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que si on perd nos traditions, on perd un peu de soi-même, comme on dit. Hein. Bon, cela mis à part, on fonctionne, comme je vous l'ai dit, depuis 42 ans. J'espère encore que ça va continuer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Des spécialités qui viennent de là-bas? Vous pouvez nous expliquer peut-être? Aujourd'hui, nous proposons ici des produits typiquement bergamasques. Tout ce qui est le fromage des Alpes de la Bergamasque, le saucisson, la brasaula, tout produit typique de la Bergamasque, ensemble. Le vin, et bon, ce produit typique, c'est un peu notre cheval de bataille, disons, parce que chacun, je présume, dans les associations, aime présenter leurs propres produits. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, c'est destiné, la recette sera destinée à Casa pour des œuvres caritatives. Et cela dit, c'est avec plaisir qu'on participe, je crois, comme d'autres associations à ces manifestations. Un tout grand merci.